Bonjour à tous, nous sommes avec Johan et Timéo. Bon, une finale qui fut dure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? On peut féliciter les adversaires déjà qui ont fait un très très bon match et qui ont été meilleurs que nous aujourd'hui. Des conditions de jeu un peu compliquées, on n'a pas trop réussi à mettre notre jeu en place, à jouer nous notre paddle et voilà, ils nous ont vraiment dérangé dans ces conditions, donc bravo à eux. Oui, à peu près pareil j'imagine. À peu près pareil, oui. Je rajoute qu'on a quand même eu une semaine difficile d'entraînement, physiquement, etc. Donc on arrive au bout de 4 matchs assez fatigué, mais eux font un très bon match et moi physiquement un peu difficile. Ils vous ont surpris ces deux joueurs, parce qu'on ne cesse de dire depuis le début de ce tournoi, attention, c'est une certes paire numéro 13 du tournoi, mais qui pourrait aller très très loin, on les connaît déjà hein, pour les initier, mais aller aussi loin, premier P2000, ils nous l'ont dit tout à l'heure, vous vous attendiez à un tel niveau? Pas forcément, mais après ça m'étonne pas tant que ça, au final c'est deux joueurs qui jouent très très bien, ils ont des très bons résultats ces derniers temps, c'est les conditions qui leur vont je pense très très bien, ils se connaissent très bien, ils ont joué match par match, ils ont fait vraiment leur tournoi, faut juste les féliciter quoi. Une question juste et puis on passera à d'autres sujets. On t'a vu en demi-finale parfois roncher un petit peu, bien sûr on te connaît, on sait que t'aimes bien parfois parler, en tout cas sur la piste, mais parfois on se demande mais pourquoi vous êtes devant dans le score, vous jouez correctement, il n'y a pas vraiment de choses et presque on se dit attention. Tu leur donnes peut-être des indices aussi à tes adversaires. Et d'ailleurs, il y a eu en demi-finale, il y a eu des moments un peu chauds. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou c'est ton tempérament, tu es comme ça, puis zut. Non, c'est un truc que je travaille, que je fais déjà beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que en demi, encore, moi, je trouve que ça a été vraiment très correct. En finale, ça a été très compliqué. Voilà, après, oui, je le travaille, je sais que c'est pas forcément bon, mais j'essaie de travailler dessus et de progresser, et voilà. Après, peut-être que le fait que toi, tu sois un peu plus calme, oui. Du coup, c'est vrai que c'est un peu l'eau et le feu, donc, l'eau, mais il y a du feu, hein, je vous le dis, hein. attention. Allez, on va changer de sujet, on le sait, c'est plus un secret pour personne, vous allez, non pas vous séparer, mais vous allez... jouer avec d'autres partenaires, principalement, je crois, à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle aventure, d'une certaine manière? Alors, comme tu dis, on ne se sépare pas du tout. On va continuer les tournois ensemble. C'est juste que si on a des propositions de mecs assez forts ou d'autres joueurs avec qui on a envie de jouer pour faire plaisir et de prendre de l'expérience, on s'autorise ça, entre guillemets. Ah, vous autorisez ça parce que vous dites, finalement, jouer avec d'autres joueurs, c'est aussi, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'apprentissage dans le paddle, jouer avec d'autres partenaires. Ouais, déjà voilà, beaucoup dans l'apprentissage et puis on se dit que si on a des opportunités, bah il faut les saisir, il faut pas qu'on se dise qu'il faut qu'on joue tous les tournois ensemble parce que je pense que c'est une connerie et que Timéo par exemple il a eu l'opportunité de jouer avec Maxime Joris à l'île Maurice, je pense que c'est une très bonne expérience, Maxime il joue super bien, il a beaucoup de points. Il y a aussi une question de points parce qu'aujourd'hui, quand tu es tête de série dans les FIB, c'est forcément plus facile. Si on a des mecs avec plus de points et qui on peut jouer, c'est forcément mieux. Et aussi pour voir autre chose, pour se dire quand on revient ensemble, au final, Timéo, il faisait ça super bien. Lui, il sait pas le faire, tu vois. Ouais. Donc voilà. Tu as vendu la mèche, mais même si je pense qu'il y en a un certain nombre qui le savent déjà. Direction l'île Maurice et dans pas longtemps, le FIB SAR, avec Max Joris. Donc ça y est, vous allez en faire quelques autres de tournois, c'est déjà prévu? Il y a déjà un planning qui a été mis en place? Non, pas du tout. Je suis plus dans l'attente de propositions de bons joueurs. C'est pas moi qui vais aller vers eux forcément. Et c'est lui qui est venu vers moi. Moi, ça me plaisait bien de faire un tournoi avec lui. Il m'a proposé l'île Maurice, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et après, on verra pour les prochains tournois, pourquoi pas. Pas d'île Maurice pour toi, par contre, tu vas jouer avec un certain Isaac. C'est ça, je vais pas à l'île Maurice, mais je fais le promotion de Vic à côté de Barcelone et le FIB Star de Lituanie normalement avec Isaac Usvel, qui est un Belge qui joue très bien, avec qui on s'entraîne et je suis très content de jouer avec lui. D'accord, donc l'idée c'est de, à l'international, peut-être varier les plaisirs. Et puis en France, par contre, ça, le tandem reste toujours pour les P2000, pour les gros tournois français. On vous verra a priori ensemble. Ouais, normalement oui.
Normalement, oui. Ouais.